Et salut la compagnie et bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO, on se retrouve ensemble pour le tournoi Tekken 7 en mode survie et pas n'importe lequel puisque bah du coup nous commençons les départages de nos grands combattants qui ont terminé leur passage initiaux. Et donc du coup pour les départager, bah, j'ai peut-être trouvé une solution puisqu'il n'y a pas évidemment de mode survie dans ce Tekken 7 de malheur, ce qui fait que je suis obligé un petit peu de bricoler. Et donc pour les départages, vu que le combat au trésor n'est malheureusement pas modifiable en termes de difficulté, eh bien j'ai choisi de faire le mode arcade, donc il sera réservé évidemment pour le mode contre la montre, mais ce mode arcade est influençable au niveau difficulté et pas combat au trésor, hein, donc malheureusement le niveau de difficulté que j'avais mis de base au début du tournoi Tekken 7 eh ben, est mis à pied puisque il n'y a pas de mode de difficulté, hein, c'est un petit peu au petit bonheur la chance on va dire. Donc par contre le mode arcade c'est le cas, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le mode de difficulté le plus difficile, on verra hein, si j'arrive quand même à en battre, si c'est trop difficile et eh ben voilà. Et je ferai donc passer tous les combattants ex aequo sur ce mode là. En mode arcade donc on va un petit peu empiéter sur la contre-la-montre, sauf que là bah, ce n'est pas le temps qui compte mais bien évidemment le nombre de personnages, le nombre de gains de combats gagnés tout simplement. Donc eh bien 51e Ganryu c'est sûr hein, le sumo tori sera donc bien dernier de ce survie Tekken 7 puisque c'est le seul à n'avoir fait que une victoire sans défaite, donc eh bien pas de rattrapage pour Ganryu qui sera donc 51e et bon dernier. En revanche nous allons faire passer tous les deux victoires sans défaite, donc j'ai mis le mode ultra difficile, c'est le mode le plus difficile en soi. Pour faire vraiment une mort subite. Et donc la première à avoir fait deux victoires sans défaite, il s'agit de Lily, Émilie Rochefort. Et donc on va la faire passer en rouge là. Allez en rouge. Lily, Émilie Rochefort. Allez, c'est parti. Ah bah là, ils ont remis les... Ah non, regarde juste le Get Ready for the Next Battle. Ah si, voilà, c'est de retour. Ah, il l'avait pas enlevé, autant pour moi. J'avais fait une critique il y a quelques épisodes de cela, mais... Mais voilà. Bon, et bah ultra difficile, on va voir. Donc évidemment, une victoire en deux rounds hein, égale une barre. On va compter les rounds aussi, hein. On va essayer de faire maximum le... pour éviter qu'il y ait le moins d'ex-aequo possible. Allez, premier round fait. Par contre, j'espère qu'il a bien pris en compte... attendez. Ouais, bon, il n'y a pas. Oula. Sinon ça risque d'être long. Nickel. Première victoire pour Lily. Alors, je vais mettre un 1. Ouais, je vais faire 1. Et je vais barrer à chaque fois les scores. Allez, c'est parfait. Allez, face à Yoshimitsu donc, normalement je suis donc en mode ultra difficile. Alors on n'aurait pas cru, mais oui. Après je suis qu'au niveau 1. Alors... joli ça. Bon pour l'instant Lily ça se passe bien.
Franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus hard, le mode ultra difficile. Parce que vous prenez le mode ultra difficile de Tekken Tag Tournament 1, par exemple, c'est... Là, c'est énormément difficile. Bon. Hop, on barre le 1 et on met un 2. On va faire comme ça, on va bricoler. Compliqué, hein, compliqué, hein. C'est vrai que là, Bandai Namco ne m'aide absolument pas en virant des modes hors ligne. Ça, franchement, ça me casse les bonbons. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. On n'a pas le choix. Alors, face à Noctis. Il y a encore des parties avec promotion sur ce mode-là. Round 1. Déjà. Oula. Oula, il est vénère. Ouh, il est vénère. Oh la vache. Au moindre round perdu, évidemment, ce sera terminé pour Lily. Et voilà, c'est terminé. Donc deux victoires et vraiment une barre de vie très impactée. On a presque battu, hein, donc... Hop, je le note. Comme ça, c'est fait. Je vérifie bien que... Merde, non, c'est pas galerie que je veux. Je vérifie bien, excusez-moi, que tout a été fait. Ultra difficile, vous le voyez, c'est marqué. Mode arcade. Bon, eh ben écoutez, au moins on est sûr. Allez, on repart au niveau de l'arcade. Et on continue avec la deuxième personne qui a fait deux victoires sans défaite. Et il s'agit de Nina Williams. Et oui, une très mauvaise surprise. Et on va la prendre en prédéfinissis. La 28e mondiale, hein, qui ne restera pas 28e longtemps, hein, ça c'est clair et net avec un classement pareil. Donc, tous ceux qui passent à deux victoires sans défaite jouent pour une 46e place pour la meilleure ou le meilleur, et une 50e place pour le plus mauvais. Allez, c'est parti pour Nina Williams. Qui prend méga cher dès le début. Avec un panda qui en veut. Oh ! Oh non ! Oh, je lui touche les poils ! Oh non ! Alors là, c'était magique. C'était magique. Et ben Nina, non, ça ne fonctionne pas, hein. Donc ça restera à zéro, avec une barre presque vide quand même. Mais bon, bah voilà, hein. C'est la loi. Oh putain, j'en reviens pas. Oh, ce ralenti de ouf. Ah, par contre, le ralenti était exceptionnel. Bon, et bah, zéro, hein, pour Nina, hein, donc elle, ça va être la débandade. On passe au suivant à deux wins, il s'agit de Giz. On va le reprendre en bleu, je trouve cool. Et donc, oui, il n'en reste plus que trois, on repart sur les nouveaux, hein, puisqu'on a déjà terminé avec les anciens. Donc, deux victoires pour Lily et une barre presque vide. Donc on est proche du 3. Zéro victoire pour Nina Williams et une barre presque vide. On était proche du premier. Donc que va faire Giz? Giz Howard, je crois que c'est. Hein. Oh. Alors, pour l'instant... Pour l'instant, c'est Giz qui ne passe pas. Oh là là, c'est... Putain, le problème, c'est qu'il est méga lent, quoi.
Ça passe pour Giz. Qui fera donc... ça fait pas le premier point puisqu'il y a deux rounds. Mais il fait déjà mieux que Nina. Voilà, là, là, là. Oh la vache. Donc, 3 quarts. Donc, 0,5 plus 3 quarts. Au moins, ça va vite. Allez, c'est parti pour l'avant-dernière à passer. Il s'agit de Elisa. On va mettre en prédéfini 2, allez. Elisa, 2 victoires sans défaite également. Pour l'instant, avantage à Emily Rochefort, Lily, puis Giz Howard et enfin Nina Williams. Il reste, je vous rappelle, donc Elisa avec 2 victoires sans défaite, ainsi que Akuma, qui sera donc le dernier à passer avec les 2 victoires sans défaite. Ouh là là. Face à un Kazuya Mishima d'Ether, mais qui n'aura pas fait un excellent tournoi. Enfin, du moins pour la survie, bien sûr. Oh la vache, ça tape, hein. Donc, au 3 quarts. Donc, c'en est terminé pour Elisa. C'en est... j'ai énormément de mal, hein, pour Elisa, mais du coup qui fait moins bien que Nina Williams, hein, à quelques barres de vie près, et donc il en reste plus qu'un, il s'agit de Akuma. Donc pour l'instant c'est Elisa, la lanterne rouge de ce défi, qui sera donc juste devant Ganryu. Si évidemment Akuma fait mieux, hein, je veux dire. Il faut que Akuma fasse mieux que enlever les 3 quarts de la barre de vie de Kuma. Round 1. Fight. Oh la vache. Et ça démarre très mal. Une petite réaction de la part d'Akuma. Qui dépasse Elisa. Et qui dépasse Nina Williams. Alors il y a encore matière à ce que Akuma fasse mieux que Giz. Et pour ça il faut enlever les 3 quarts de la barre de Kuma. Gagner le combat, évidemment. C'est mieux que Giz, c'est sûr. Eh non, ça passe pas pour Akuma pour le point, mais il fera mieux que Giz, donc c'est axé. Tout le monde est passé, donc... Donc voilà, j'ai le classement pour l'instant de ces 2 victoires sans défaite. Je mets en pause et je vous dis ça de suite. Allez, parfait, donc c'est bon, j'ai fait le compte et je mets les classements en même temps sur ma feuille. Donc, comme vous l'avez compris, 50e Elisa, 49e Nina Williams, 48e Giz Howard, 47e Akuma, et enfin 46e et donc gagnante de ce duel, Emily Rochefort, alias Lily pour les intimes. On passe au duel des 3 victoires sans défaite. Il y a donc, ce sera un duel d'anciens, hein, il n'y aura aucun nouveau, puisqu'il y aura donc Anna Williams, Lei Wulong, Steve Fox et Kazuya Mishima. Donc un duel de 4 personnes et non plus 5.
Donc on va se battre donc pour la 42e place du tournoi en mode survie. Et on commence donc avec la première, Anna Williams. Anna Williams que l'on va mettre... J'aime beaucoup en vert là, comme ça. En prédéfini 5. Allez, Anna Williams. Parti donc pour relever le défi. Moi, je suis content d'avoir trouvé une solution hein, pour ça. Je vais enlever Ganryu. Et donc, face à Katarina. Katarina. Tché. Come over here. Let me talk to you real close. Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Allez, c'est parti. Pour les 3 victoires sans défaite, il y en aura moins à passer. Un combattant de moins. Et c'est marrant parce que... Là, je ressens bien l'ultra difficile. Contrairement au combat qu'a fait Lily. Et donc, c'est déjà un KO pour Anna qui n'a pas réussi à faire grand-chose, à enlever juste un quart de vie de Katarina. Alors, c'est pas du grand combat, j'en conviens. Mais bon, il faut bien réussir à faire quelque chose. Alors, pour Lei Wulong, le prochain à passer, il est là. Et donc, Lei Wulong... L'actuel, si je dis pas de conneries, 48e mondial va passer immédiatement, juste après la 54e. Donc c'est un duel quand même de bas de classement. Hein. Ils sont 66, je vous rappelle, pour l'instant. Les nouveaux de Tekken 7 ne comptent pas pour Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ne comptent pas là, les résultats de Tekken 7 quand j'annonce les numéros mondiaux. Il n'y a pas encore les résultats de Tekken 7, bien évidemment. Oh la vache, et Giz, putain. Oh! Ça passe donc pour Lei, qui fait évidemment mieux déjà que Anna, on l'avait vu déjà en plein milieu du combat. Et ça passe pour Lei, qui fait donc son premier wins en ultra difficile, hein, je rappelle, hein, au cas où vous pensez que je joue très très mal. Bon, c'est pas le cas, mais ultra difficile en règle générale, c'est pas donné à tout le monde. donc c'est un très bon point pour Lei Wulong. Et donc on va voir donc la suite face à Feng Wei. Donc Anna est forcément dans une très mauvaise posture. Alors, attention. Face à Feng Wei. Ça passe encore pour Lei. Écoutez, c'est plutôt bon pour lui, hein. Non, ça passe pas pour le coup de boule. Et donc un deuxième point pour Lei. Très étonnant. Mais pour l'instant, il fait du plutôt bon boulot. Et enterre évidemment Anna Williams d'une manière assez forte. Donc ils sont 4 hein, à passer. Je vais noter les rangs maintenant si j'ai le temps. Si j'ai pas cette télécommande. Hop. Face à Brian, donc, le prochain combat. Et donc, en lice, donc, pour la 42e place.
Allez, viens par là. Putain, il prend tous ses vrais ennemis en plus, c'est intéressant. Alors là, le combat a été maîtrisé de la part de Lei Wulong d'une excellente manière. Oh là là, magnifique! Mais que faisait ce Lei Wulong pendant la... pendant le combat le plus important? Oula, alors là par contre, ça sent la fin. Bon, c'est quand même une excellente performance. Donc, ça s'arrête à 2,5 et 3 quarts. Allez, c'est parti. On continue avec le personnage suivant. Qui est donc le boxeur anglais. Steve Fox, bien entendu, vous avez deviné. Je l'avais déjà annoncé. Oh, en violet, je vais le prendre, il est classe. Allez. Bon, le fils de Nina Williams, qui fera certes mieux que sa mère, mais bon, c'est pas oufissime pour le 35e mondial. Il va falloir limiter les dégâts pour Steve, mais de toute façon, qu'importe son classement, son rang mondial, si il n'y a pas de réaction en contre-la-montre, sera impacté. Trop classe en violet comme ça, j'aime beaucoup. Allez, c'est déjà fait pour Anna Williams, pas de problème. Maintenant, il s'agit de rattraper Lei Wulong, mais ça risque d'être compliqué parce que Lei a fait un travail remarquable. Je vous rappelle que le dernier adversaire, c'est Kazuya Mishima, et oui. On est tous très surpris, mais c'est comme ça. Et ben, le premier point est fait. Alors, face à Alyssa Boskonovic. Bon, au moins, puis vous commencez à avoir évidemment les ordres de passage pour les contre-la-montre. Hein, donc forcément, Genryu passera en premier, suivi de Elisa, de Nina et de Giz. Donc vous savez, enfin s'il y a des personnages que vous suivez en particulier, vous savez qui va passer. Pour l'instant ça se déroule pas trop mal pour Steve Fox. Évidemment met de la distance avec, avec Anna Williams qui gagne donc son deuxième point. En perfect en plus, donc bravo à lui. On continue sur sa lancée. Je vous rappelle que Lei a gagné un round de plus et enlevé les trois quarts de vie du dernier. Donc c'est simple, si Steve gagne face à Miguel, eh bien il prendra évidemment la tête de ce duel. Et donc sera en lice pour la 42e place de ce mode survie. Nickel, ça passe pour Steve. Il lui faut donc plus que les trois quarts de la vie à enlever à Miguel. Donc une barre presque vide comptera comme évidemment une victoire, enfin
Un duel pour l'instant remporté par le boxeur. Avantage encore à Lei. Ça y est. Steve prend la tête de ce duel. Et maintenant, il faut finir. Ouh, magnifique ralenti qui aurait été bénéfique pour le boxeur qui signe donc son troisième point. Et qui va donc mettre du fil à retordre à Kazuya Mishima, donc le dernier de ce duel à passer. Hein, mais il faut encore que Steve termine. Je vous rappelle que nous sommes en ultra difficile. J'ai oublié ça. Alors, face à Heihachi, qui nous a fait une performance remarquable. Oh là là, magnifique Steve! Magnifique! Retournement de situation de Steve qui avait très mal débuté son combat. Incroyable, hein, incroyable. Mais que faisait Steve aussi pareil pendant son passage initial? Je pense que ce sont des incompris du coup. Oh là là, encore sur un ralenti. Steve qui met donc son quatrième point et qui va se battre face à Akuma. Incroyable, incroyable. Non, c'est bien, ça scénarise des combats, ça donne un petit avant-goût pour le contre-la-montre, bien sûr. C'est pas ce qu'on a vu sur la survie. Round 1. Fight. Alors là, mon gars. Ça se débrouille plutôt bien du côté de Steve pour l'instant, même si ça peut passer encore. Oui! Encore un round de validé pour Steve. Est-ce qu'on va finir le contre-la-montre? Alors, ce serait un truc extraordinaire. Ah, avantage à Akuma pour ce round. Oh la vache! Incroyable! Steve fait le parcours parfait. Et bien, il fait le parcours parfait, puisqu'il n'y a que 5 stages. Donc c'est ce que je disais, hein, le mode arcade sera vraiment, vraiment très, très simple. Enfin, très court. Ce qui est quand même incroyable. Et bien, on passe. Hein, donc Kazuya Mishima doit égaliser avec Steve s'il veut passer l'épreuve finale. On va le mettre en classe. Kazuya Mishima, get ready for the next battle. Donc Kazuya Mishima qui doit malheureusement concourir pour la 42e place, le numéro 9 mondial, qui a complètement raté son passage également. Mais quand je vois les performances de Steve et de Lei, je me dis que les deux vraiment ne méritent vraiment pas leur classement. Alors que tous ceux qu'on a fait passer en 2 wins, eux, en revanche, c'est déjà un petit peu plus logique. Oh là là! Allez, ça passe pour le premier round de Kazuya Mishima, qui donc laisse Anna Williams en dernier, hein, évidemment, de ce duel.
Oh là là. Et donc c'est le premier point pour Kazuya Mishima. Donc je peux inscrire déjà Anna en 45e position. C'est une certitude. Voilà, je peux barrer déjà son classement. Bien que le duel ne soit pas terminé. Et donc maintenant, pour Kazuya, il faut rattraper Lei Wulong, qui en a déjà battu deux au total. Donc il faut battre Steve déjà, bah tiens, quand on parle du loup. De toute façon, ça va être compliqué hein, pour Kazuya. Il faut passer l'arcade entier s'il veut espérer rejoindre Steve. Évidemment, s'il y a une égalité, on recommence le passage des deux. Hein, jusqu'à qu'il y en ait un qui craque. C'est le principe d'une mort subite. Ouh, c'est compliqué. Ouh, c'est compliqué. Oh la vache. Bon bah pas de chance encore pour Kazuya Mishima qui échoue à 1,5 points. Donc c'est fini. Et il fera donc moins bien que Lei. Donc Kazuya 44e. Mais encore une fois là. Là par contre j'avoue il a pas eu de bol. Alors il a très mal entamé son combat. Enfin ce round là. Face à Steve. Et donc 45e Anna Williams. 44e Kazuya Mishima. 43e Lei Wulong. Et donc 42e Steve Fox. Voilà donc qui met un terme à cet épisode. J'espère que cette façon de départager les combattants vous plaît. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi, faites-moi part de vos impressions sur ces départages. Et puis nous on se retrouve la prochaine fois pour la suite des départages et des duels de Tekken 7. Allez, salut tout le monde et portez-vous bien. Ciao ciao.